とグーパーガラタミン地球の裏もてひとっとびただいま出動やったわ仮面に隠した正義の心ドロン棒たちをぶっ飛ばせエンジンブルブル絶好調足を上げてチンチン勝利のポーズだはい驚くほどに強いんだやったやったやったやったやったアンマンですか。え？あら！タイムガイコツ。Gambale ! On se retrouve cette semaine pour parler d'un jeu issu d'une longue série d'animés très populaire au pays du soleil levant, Time Bokkan, Bokkan to Ippatsu Dorombo, sorti sur PS1 en 1998. L'animé est une suite de plusieurs séries produites par Tatsunoko Productions, à qui l'on doit un bon paquet de séries telles que Speed Racer, Samurai Pizza 4, enfin bref. Je vous refais pas l'histoire de Tatsunoko, pour ça je vous renvoie à la vidéo vers Samurai Pizza 4 où je les avais présentés. Dans chaque arc de la série, on retrouve la même structure avec un couple, un petit compagnon rigolo et bien sûr des mechas qui affronteront le même trio de vilains et mettront à mal leur plan. La première série fut diffusée entre 1975 et 1976. Il s'agissait de voyager à travers les époques pour retrouver le professeur disparu dans les limbes du temps, grâce à sa machine temporelle. La série qui va le plus nous intéresser est la seconde sortie en 1977, car c'est celle qui a principalement inspiré le jeu d'aujourd'hui. Il s'agit de Time Bokkan Yatterman. Pour les autres séries, Zenderman, Otasukeman, Yato Detaman, Ipatsuman ou Itadikiman, non pas qu'elles ne soient pas intéressantes, mais sinon on va finir la vidéo dans 2 heures. Certaines reprendront le concept de voyage dans le temps et d'autres se dérouleront au temps présent. Il y a depuis eu pas mal d'OAV, des revivals, jusqu'en 2016 avec Time Bokkan 24. Donc, Yatterman, diffusé entre 1977 et 1979, nous raconte l'histoire de Gan Takada et sa petite amie Ai Kaminari, deux mécaniciens qui ont créé un mecha afin de combattre le crime et qui, une fois revêtus leur costume, deviennent les Yatterman. Ils combattent sans relâche le gang Dorombo qui veulent voler la pierre d'Okuro. La particularité à souligner dans cet animé est que l'on suit plus les aventures de nos méchants que de nos héros. Ils sont quasiment les personnages principaux et vous allez voir que ça a son importance aussi dans le jeu d'aujourd'hui. D'ailleurs, Doronjo, la chef du gang Dorombo, Yatterman 1 et Yatterman 2, tellement populaires qu'ils feront partie du cast du jeu de Versus Fighting Tatsunoko vs Capcom. Donc aujourd'hui on teste Bokkan to Ippatsu, à ne pas confondre avec Bokkan Desuyo, appelé justement Tam Bokkan Yatterman, et qui est la suite du jeu qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, Bokkan to Ippatsu, édité et développé par Banpresto. Il s'agit d'un shoot'em up à scrolling vertical qui parodie gentiment les séries de l'époque comme Gatchaman ou Mazinger par exemple. La particularité du jeu, c'est que l'on contrôle les méchants du gang Dorombo et que par conséquent on lutte contre les Yatterman. Au début de chaque niveau, vous allez devoir choisir parmi les créations mécaniques machiavéliques du gang 6 vaisseaux au choix que vous ne pourrez utiliser qu'une seule fois sur un niveau. A noter que chaque engin possède évidemment ses propres spécificités. Pas d'inquiétude concernant votre bestiaire car d'autres véhicules se débloqueront au cours de votre aventure. Niveau gameplay, on ne peut pas faire plus simple. Seulement 2 boutons sont nécessaires. Un pour le tir, un pour les bombes. A noter que les bombes ne sont pas limitées, ça c'est cool. Par contre, attention, le temps de les armer est relativement long et surtout, tant que vous portez une bombe, votre barre de vie est en suspens et au moindre tir ennemi, vous êtes mort. Enfin mort. Oui et non, disons que votre engin est détruit et que vous devrez combattre en vélo. A noter la petite référence à la série. Si vous vous faites toucher, alors là, oui, vous serez mort. A noter dans le jeu également que si vous ramassez 100 têtes de mort, vous vous transformerez en énorme mecha pendant un laps de temps jusqu'à ce que vos têtes de mort soient revenues à zéro.
J'estime en gros qu'une tête de mort égale une seconde, du coup, en gros, ça fait 100 secondes de transformation. Mention spéciale d'ailleurs pour les mechas et les ennemis du jeu qui sont l'incarnation des mechas de la série animée. Ils ont totalement respecté le matériau d'origine et ça, c'est absolument louable. D'ailleurs, j'en profite là qu'on soit au premier boss du jeu pour vous faire remarquer que justement, là, voilà. Le premier boss du jeu, c'est le robot ami de nos amis Yataman. Et les deux personnages que vous voyez sont les Yataman dont je vous parlais au début. Vous allez pouvoir voir également par la suite la fameuse transformation mecha dont je vous parlais. Alors, je vous ai pas encore parlé, évidemment, des power-ups classiques, hein, power-ups d'armes, de puissance, power-ups de vie, power-ups de vitesse, voilà, toutes ces choses-là, qui sont, ma foi, très classiques au niveau des shoot'em up. Là, voilà, je vais pas vous faire une heure là-dessus, parce que, bon, ça, c'est relativement simple. D'ailleurs, on peut noter que ce shoot'em up, dans l'ensemble, tiens, voilà, le mecha dont je vous parlais. Là, vous voyez, en haut à gauche, vous voyez les têtes de mort qui défilent, une à une. Et voilà, là j'ai perdu ma transformation, parce que je suis arrivé au bout du décompte. Donc à moi de reprendre les 100 crânes pour me retransformer automatiquement. À noter qu'on ne peut pas choisir le moment où on se transforme. C'est au bout de 100 têtes, vous vous transformez. Donc je vous parlais des power-ups, tout ça, relativement classique. Donc oui, je vous disais aussi, au niveau du jeu en lui-même, ce jeu est classique, c'est-à-dire qu'il ne va pas briller forcément par son gameplay ou son originalité, encore que... Mais il va briller surtout par son ambiance, voilà, tout ce qu'il y a autour. Donc, petite parenthèse, je vous invite d'ailleurs, peut-être même avant de jouer au jeu, à aller regarder quelques épisodes de l'animé, donc de la première et de la deuxième série, comme je vous expliquais au début, parce que vous allez vous imprégner un petit peu de l'ambiance de l'animé et ça changera votre expérience. Si vous attaquez ce jeu sans avoir jamais vu l'animé, peut-être que vous allez le trouver trop classique et peut-être pas original du tout. Par contre, moi j'ai eu la chance de regarder quelques épisodes avant de jouer au jeu et du coup, je me suis remis dans l'ambiance du dessin animé et ça a apporté un petit plus au jeu. Je trouve que les deux vont ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. Banpresto nous a produit là, à mon goût, un bon petit jeu bien sympathique. On sent vraiment qu'ils ont bien bossé le sujet et qu'ils n'ont pas fait une adaptation à la va-vite. Alors techniquement, on n'est pas sur une énorme production, on voit bien que les graphismes font plus 16 bits que PS1. Mais pour un shoot, je préfère ça à la 3D très en vogue de l'époque. Donc pouce vers le haut pour ce choix courageux, surtout à une époque où tout le monde ne jure que par la 3D. Les sprites sont très jolis, surtout les boss. Il y a beaucoup de jolis effets, l'animation est très correcte pour pas dire très bonne. Mention spéciale pour les excellentes musiques qui sont issues de la série pour beaucoup ou qui en respectent totalement l'ambiance pour les autres. D'ailleurs, entre certains niveaux, vous aurez des cutscenes rappelant l'animé, malheureusement non doublé, car évidemment cet opus n'étant jamais sorti du Japon. Le jeu n'est pas très difficile, on a 7 niveaux, mais possède une bonne replay value due au nombre de véhicules à essayer. Les environnements des niveaux sont très variés, eau, terre, mer, désert, montagne. A noter entre parenthèses que si le jeu s'inspire de la deuxième série, on retrouve d'ailleurs beaucoup d'éléments de la première. Le commandant et son équipage sont heureux de vous accueillir et vous souhaitent un bon voyage dans cet espace publicitaire. ソフトキュンキュンダイレクト。あれはカブトだ。いやいや、セミだ。ちゃうぞ。カブトゼミだ。ワンちゃん、いやワンガルー。ペリカン、いやペリギン、かっこいいんだから。タカトクトイスのビタナキメカ新発売。ボロモーケヤン。それは偽ダイネットだ。説明しよう。本物はEGロックと雪道に強力グリップのダブルスパイクがついているのだ。お仕置きやん。ソフトキュンキュンダイレクト。Maintenant, j'ai envie de vous parler un petit peu quand même de la suite Bokan Desuyo, qui a eu la bonne idée de reprendre tous les points positifs de ce premier opus et de les améliorer en tout point. Déjà, vous démarrez le jeu avec 9 machines au choix, toujours concoctées par nos méchants de service qui sont définitivement les personnages principaux de la série. On reste sur le même type de gameplay, avec quelques légères différences comme les bombes qui gagnent en puissance si on attend avant de les lancer. Par contre, toujours pareil, vous êtes vulnérable pendant cet instant où vous gardez la bombe sur vous. Niveau graphisme, on est toujours en 2D, mais avec une réalisation encore plus soignée, on a clairement franchi un cap.
À noter que cet opus a eu la chance d'arriver en Europe dans une version PAL en 2001, mais uniquement en Italie. A priori, il s'agissait d'une exclusivité du pays à la mode. J'avoue par contre que ça reste à confirmer, hein. J'ai pas la science infuse et je suis pas sûr à 100% de l'info, mais en tout cas, à ce jour, je n'ai pas vu d'autre version que la version italienne en PAL. Au passage, j'en profite pour faire une petite parenthèse là concernant le boss que vous voyez actuellement à l'écran. Ça, c'est le robot, le mecha, ami de nos amis méchants depuis le début dans la première série. Alors du coup, là, je comprends pas bien pourquoi il est du côté des gentils dans le jeu. Là, j'avoue que j'ai un petit bug, parce que ce robot singe, en fait, c'est le robot attitré de notre équipe de vilains. À l'instar, justement, du gros chien qui, lui, est le robot attitré de notre équipe de sauveurs. Alors du coup, j'ai pas encore regardé toute la série, hein. J'ai regardé que le début de la première saison et de la deuxième. Mais croyez-moi, je vais creuser l'affaire, je vais enquêter et je vais regarder la série jusqu'au bout et je vous dirai ce qu'il en est éventuellement dans les commentaires un peu plus tard. D'ailleurs, vous avez pu voir juste avant, là je fais un petit flashback, l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous arrivez au bout de la barre de vie, que votre mecha explose, vous avez vu, on avait nos trois amis du Gondorombo sur un vélo qui se débattaient avec une arme, tout ce qu'il y a de plus faible, à essayer de survivre. Voilà, c'était la petite illustration de ce qui se passe quand vous perdez votre mecha. Et juste avant, là, les deux personnages que vous avez vus apparaître à l'écran, en fait, sont les héros des séries suivantes dont je ne vous ai pas parlé juste avant. Voilà, parce que je vous disais, je ne pouvais pas vous parler de tous les arcs de la série, mais ça, voilà. Donc ce jeu, vous voyez, reprend quand même des personnages et des codes communs, on va dire, à toutes les séries et également des personnages spécifiques à chaque série. Donc les méchants restent toujours les mêmes, mais les gentils, vous voyez que vous combattez les gentils de chaque série, l'une derrière l'autre. Donc là, voilà. On arrive au bout du quatrième niveau, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Et là, vous allez voir qu'on va arriver sur les fameuses petites cutscenes dont je vous parlais tout à l'heure et qui reprend l'animé et ses codes. こうして歴代の悪玉メカを見ていると何か気づくことはありませんか？言われてみれば他の三悪はこんな専用マシンがあったけど私たちはなかったね。その通り。悲しいことに歴代三悪の中でも専用マシンがないのは私たち泥棒だけだったのです。おやや、逃げ。我らには自転車が。シャラップ！そこで他の三悪に負けないような素晴らしいマシンを作っちゃったんですよ。私たちの専用マシンを。Donc là, on arrive au moment où je vous disais tout à l'heure que vous pouviez également, au bout d'un moment dans le jeu, débloquer de nouveaux véhicules en plus de ceux que vous avez déjà utilisés. Et là, voilà. Là, on voit justement les véhicules que vous allez pouvoir utiliser par la suite dans le jeu. デザインは私たちの美しい顔をモチーフにしているんですよ。やるじゃないか、ぼやき。斬新でかっこいいわね。それじゃあこのニューマシンを使って残りのやつらも片付けちゃおうか。お前たち、出撃だよ。アイホー先生。Donc on va pouvoir attaquer un peu la conclusion du test. Boken to Hippatsu est un bon shmup. Si on ne connaît pas la série, et un excellent jeu si on s'intéresse à l'animé. Il possède juste un petit défaut quand même, il est uniquement en japonais. Ce qui gâche malheureusement un peu le plaisir, notamment au niveau des cutscenes et donc bah, du scénario. Le dessin animé très populaire n'ayant jamais eu de diffusion française, ceci explique probablement cela. On se retrouve néanmoins face à un très bon jeu pour qui veut se donner la peine de creuser un peu. Moi, à titre personnel, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test sur la chaîne. N'oubliez pas la page Facebook, les méandres synaptiques du Dr Nostal, ça vous permettra de rester connecté un petit peu avec moi, d'avoir des infos sur les tests qui arrivent. Ça permettra aussi de partager des fois un petit peu mes bêtises, mes folies, voilà, des vieilles pubs, des vieux jouets, des vieilles émissions, parce que dans la vie, il n'y a pas que le jeu vidéo dans l'aspect nostalgique. N'oubliez pas aussi Twitter, parce que oui, maintenant j'ai un Twitter, donc Dr Nostal. DR plus loin NOSTAL, voilà, pareil, toujours dans le même esprit, de partager régulièrement en dehors des vidéos, toujours pareil, mes bêtises, mes tests, mes,
mes souvenirs d'enfance, mes jouets, mais voilà, j'aime tout ça. D'ailleurs, en parlant de jouets, très rapidement, il se peut que très prochainement je vous fasse un hors-série, mais ça, c'est une autre histoire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Tchuss! もうなんともないな。